Des plages gratuites cet été en Algérie. On oublie les parasols, on oublie les chaises et les tables qu'on paye 1000, 2000 dinars pour dire j'ai le droit de m'installer sur une plage. On oublie, Inch'Allah, justement tous ces murs face mer où on ne peut même pas accéder en liberté. On oublie, Inch'Allah, aussi eh bien, ces prix astronomiques pour accéder à des plages privées. Parce que c'est vrai qu'après tout, il n'y a pas que les émigrés qui viennent en Algérie en vacances pour eh bien, profiter de tout ça. Il y a aussi les locaux. Et aujourd'hui, j'espère de tout cœur que ça va être appliqué. Justement, le président a demandé aux autorités d'être très très fermes par rapport à tout ce marchandage de parasols, de tables et autres vraiment désagréments qui nuisent au tourisme, qui nuisent au bien-être. Donc, j'espère de tout cœur que ça va être respecté. Et de plus, eh bien, pareil, si aujourd'hui les opérateurs touristiques font des efforts pour laisser accéder, eh bien, les Algériens, Algériennes à ces plages à des prix plus raisonnables, parce que 1500, 2000 dinars pour une demi-journée pour accéder à une plage avec un transat, franchement, voilà quoi. Donc, j'espère. Là, j'ai entendu dire également, Algerian Ferry va baisser ses prix. Mais écoutez, j'espère qu'il y aura encore de la place pour des prix intéressants pour toutes ces familles que je connais qui me disent c'est trop cher, c'est abusé, c'est exagéré pour venir en Algérie. Donc là, apparemment, des efforts vont être faits. J'espère que ce sera pour cette saison. Donc magnifique, l'été s'annonce bien en Algérie. Et pourvu que ça dure et que ce soit d'année en année encore mieux. Allez, force et détermination.